des colis qui sont arrivés. Donc, vu que j'avais pas terminé le montage, je me suis dit que je vais rajouter ça, mais j'avais commencé ça, je pense, des achats du Black Friday. Puis là, ben, des achats sont revenus. Et c'est ça, fait que je vais vous montrer ça. Pour commencer, j'ai reçu un ensemble, là, il y a mon chien ici. J'ai reçu un ensemble que je vais vous insérer une photo ici. Du mannequin, parce que je ne l'essayerai pas. C'est un ensemble sport. C'est la marque Jim Carter, je crois. Puis c'est un ensemble anti-cellulite, tout avec le brassière, les leggings. Là, présentement, il est au lavage. Fait que je peux pas vous le montrer. Puis c'est ça. J'ai bien hâte de l'essayer. Je vous en donnerai des nouvelles. Puis si ça vaut la peine de commander ou non. Ça a été long. Là, j'ai commandé ça au Black Friday. Puis je les ai reçus la semaine passée. Ouais, la semaine passée. Ben. En tout cas, là, on est à la fin de semaine quand je tourne ça, mais je les ai reçus en fin de vendredi ou jeudi. Fait que c'est ça. Ils ont plusieurs couleurs, tout. Je vous invite à aller voir. Je vais essayer de mettre leur site en barre d'infos. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai... si je regarde souvent par là, c'est parce que mon moniteur de ma fille est là, puis elle fait dodo, fait que je la watch. J'ai commandé sur la Shop à savon. C'est une entreprise québécoise. C'est un ensemble de 4 mini exfoliants à lèvres maison. C'est juste lui que je vais vous ouvrir parce que je l'ai déjà commencé. Les autres, je vais pas les ouvrir dessus. C'est vraiment, tu sais, ultra fouetteux. C'est vraiment agréable. C'est super bon. Celui-là, c'est chocolat chaud. Et je les adore vraiment beaucoup. Fait que je vous invite vraiment à aller voir sa page. C'est vraiment des bons produits. Elle fait des chandelles, des savons, etc. Allez voir, pour vrai, c'est vraiment très, très, très bon. Ensuite, il y avait lavande douce dans le kit. Canne de bonbons. T'sais, c'était pour Noël. C'était pas cher, là. Sachant que c'est fait maison. Canneberge sous le gui. Fait que voilà, c'est vraiment des petits pots, mais ça fait longtemps. Là. Lui, ici, je l'ai ouvert, ça fait presque... qu'un mois. Puis c'est ça. Ah, mon chien! Il est tannant. Il va faire son tannant. Fait que voilà. Ensuite, j'ai commandé chez Concept Shop. Vous savez, mon amour un peu pour Concept Shop. Ben, c'est ça. J'ai recommandé récemment. Je les ai reçus cette semaine. Le intensif masse régénérateur de Oligo. Comme ceci. Pour cheveux méchés, décolorés et colorés, 11 acinaminés et 8 d'argan. Fait que voilà, c'est quand même un gros pot. J'ai-tu le grammage? C'est un 200 ml. Fait que voilà. Puis, tu sais, 23,99. Fait que ça, je l'aime beaucoup. C'est vrai, il va falloir que j'aille vous chercher. J'ai un fer. Je vais vous le montrer à la fin. Un fer quand même assez spécial que j'ai commandé également en spécial. Fait que sur Concept Shop. Fait que je vais vous montrer ça après. Ensuite, j'ai pris le Matrix Biolage. Pantouf! Désolée, vous allez entendre ces griffes. Toilettage fermé, hein, c'est ça que ça donne. J'ai le Matrix Biolage Clean Reset. Voilà. Que je fais souvent un shampoing sur deux. Je vais faire ça pour régulariser mon cuir chevelu. Parce que moi, j'ai tendance grasse, mes cheveux secs. C'est le pire mélange selon moi. Fait que j'essaie d'étirer mes lavages, bien sûr. Je me lave les cheveux 3 ou 4 jours. Fait que ça m'aide beaucoup, ainsi que le shampoing sec, les exfoliants à cheveux, blablabla. Et voilà, je vais vous faire une routine bientôt sur les cheveux, fait que, et tout. Donc, c'était tout. Ensuite, j'ai commandé une nouvelle wet brush, comme ceci, là-bas. Là, il y a un peu de cheveux, avec le nettoyant que vous venez, tout. Mon chien, hop, fait bouquet, donc, c'est ça, je suis en train de vous dire, je sais pas si vous voyez tous les cheveux que je suis en train d'enlever. Mais c'est quand même assez bon. Fait que c'est un cleaner à broche. Concept Shop également. Je vais aussi vous mettre les liens en barre d'infos, sinon c'est que je ne l'ai pas trouvé. Voilà, je me souviens plus des prix exactement. Ensuite, j'ai commandé un masque sur BoxyCharm parce que tu les pop-up. T'as les add-ons que tu peux ajouter des produits pour vraiment moins cher. Tu sais, ça vaut dans les 60$ sur Amazon, chez Sephora. Mais moi, je l'ai payé 12$ chez Boxy. Fait que c'est le Avocado Melt Retinol Sleeping Mask de Glorisé.
Fait que voilà, j'ai bien hâte de l'essayer. Ça, je vous dis, ça vaut la peine. C'est juste si vous êtes abonné à Boxyjump, par exemple, que vous pouvez avoir accès à tout ça. Mais ils ont vraiment beaucoup de produits qui vendent vraiment moins cher, de Fenty, MAC, etc. Fait que ça peut valoir la peine. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer mes box. Comme je disais avant que ça coupe, manquer de batterie, je vais vous montrer mes box BoxyCharm de décembre et janvier. J'ai pas le temps de faire de vidéo. Je m'en excuse. Je vais tester les produits en vidéo sous peu. Et voilà. Donc, comme je vous dis, c'est personnalisé à chacun. Fait que ça veut pas dire que les personnes ont toutes reçu les mêmes produits que moi. Vous n'allez pas nécessairement recevoir tout le temps les mêmes produits. Fait que c'est vraiment propre à chacun. C'est ça qui est le fun avec le fonctionnement de BoxyCharm. Et c'est vraiment pas cher. Ça coûte 25$. Pour plein de produits, 5 produits normalement, vous avez d'autres styles d'abonnement, mais voilà. Fait que je vais essayer de commencer par, là c'est tout dans la même boîte, je vais me souvenir de ce qui était la boîte de décembre. Boîte de décembre, j'ai eu les Fossil Glam Nitic Baby Girl avec le liner magnétique, fait que c'est des fossiles magnétiques. Et ça, je pense, si je me souviens bien, ça valait 65$ ces deux items. Fait que quand même, là, j'ai payé ma boîte 25$. Juste avec ça. Voilà. Ensuite, j'ai eu le rouge à lèvres MAC dans la teinte Fanfare. C'est un cream sheen. C'est lui que je porte aujourd'hui. Fait que voilà, je l'aime quand même. C'est un rose boisé, vraiment beau. Seul défaut, c'est qu'il est crémeux. Moi, j'aime. Ben, j'aime les crémeux, mais en temps de pandémie avec un masque, c'est mieux des mâts. Fait que voilà. Mais j'aime. Ensuite, j'avais eu une éponge avec le dans la lavage. Et c'est genre une boule que vous pouvez pas laver vos beauty blender dans la laveuse avec la boule. Puis il venait avec cette éponge-là. Fait que voilà, là, elle est déjà utilisée. Je l'ai utilisée aujourd'hui. Puis elle est très moelleuse, très bon. Vous avez un côté plat, un côté biaisé, puis un côté comme ça. Fait que voilà. Et le truc pour laver, je l'ai pas encore vraiment testé. Fait qu'on va voir. Ensuite, j'ai reçu le Miniature Tarte Mascara. Volumineux. Comme ceci, je vais vous montrer, mais je rouvrirai pas parce que la brosse est comme ça, en fait. Puis le packaging est comme ça. Parce que je veux pas ouvrir trop de mascara, je vais en finir avant d'en rouvrir d'autres. Fait. Voilà. Et pour compléter dans cette boîte, j'avais reçu la palette Artiste Couture Caliente. Et ça m'a étonnée de la savoir parce que il me semble que j'ai pas mis que j'étais tant colorée que ça. Voilà. Je l'ai testé hier. Bonne pigmentation, mais difficile à travailler, je trouve. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, en fait. Elle est belle. Je l'aime quand même. C'est un atout à ma collection. C'est Artiste Couture. J'ai pu tester la marque. Mais ça m'étonne d'avoir coloré ça. Sinon, je sais qu'il y en a qui ont reçu la Huda Beauty. Fait que voilà. Moi, j'ai reçu la Artiste Couture. Ensuite, ça, c'est la boîte que j'ai reçue hier. Fait que ça, j'ai vraiment rien testé. C'est la boîte de janvier. Donc, je vais commencer par la petite palette. Qui est la Ciaté London de Velvet Palette. Si je suis capable de la rouvrir. Vous avez un petit miroir comme d'habitude. Et les teintes. J'ai quand même vraiment hâte de la tester. Je vais la tester probablement celle-là dans ma vidéo qui va s'en venir sous peu. Je teste la BoxyCharm. Parce que l'Artiste Couture, je l'ai déjà testé, puis j'ai pas grand choix de make-up à faire avec. Mais peut-être que je vais venir compléter avec certaines teintes. En tout cas, c'était tout, comme je vous dis. Et voilà, fait que j'ai bien hâte de voir. Ensuite, j'avais reçu une brosse Persona, double en bout. Je l'ai pas encore testée non plus, mais elle est d'une douceur, mais phénoménal. Ça va être parfait, ça, pour le highlight ou pour vraiment venir poudre en dessous des yeux. Puis ça peut être pour le blush, n'importe quoi dans le fond de brosse, mais le poil, waouh. Ensuite, j'ai reçu Bali Balm Sweet Orange and Coconut. C'est un lip balm, comme ceci, en petit tube. Je l'ai pas testé encore, comme je dis, je l'ai reçu hier et j'attends de terminer d'autres... Bon, ma lèvre avant d'en ouvrir, j'en ai plusieurs. J'ai encore mon la-neige que j'aimerais bien finir. J'ai accroché. Sinon, ici, j'ai le crème pour les yeux triple Pipitil Dr. Brand. Puis ça, si je me souviens pas, si je me souviens bien, j'ai senti la fiche. Ah, je l'ai plus. Je pense que c'était genre quelque chose comme 60-70$, juste une crème pour les yeux. De 15 grammes. Fait que quand même. 70$ à peu près là. Fait que
J'ai pas hâte de la tester, mais j'attends de terminer mon contour des yeux avant. Fait que je vous tiendrai au courant, bien sûr. Puis s'il y a d'autres items que vous voulez savoir comment je les trouve, puis que j'en reparle pas nécessairement, dites-moi là, je pourrais vous faire une review. Si vous voulez voir des make-up exclusivement de quelque chose, vous me le dites. Et le dernier produit, c'est de pharmacie. C'est le hydratant en gel sans huile avec moringa et papaye. Voilà, fait que ça va être ma prochaine crème hydratante que je vais tester. J'ai bien hâte, je l'avais vu sur le site de Sephora, puis il me semble que c'est quelque chose comme dans les 60$ aussi. Fait que j'ai bien hâte. Fait que ça, c'est pour ce qui est de mes produits de BoxyCharm. Là, à voir si je vais recevoir mes produits avant, sinon je ferai comme une petite partie 2, parce que j'attends encore une commande Amazon avec des trucs à bébé, une commande Carter's, que ça en fait je l'ai, mais c'est juste qu'elle est dans la chambre de ma fille, fait que je vais sûrement filmer la partie, mais qu'elle se réveille, de vêtements, quand même vraiment beau, puis c'était en spécial, c'était quand même vraiment le fun, déjà que c'est pas cher, mais là c'est encore plus fun. Fait que sinon je reçois, j'attends aussi deux commandes Pop on the World, mes chandails Glow in the Dark que j'ai toujours pas reçu de la collection d'Halloween, je commence à être tannée d'attendre. Et ma collection de Noël, que ça je suis au courant qu'il va y avoir un problème de production, etc. Fait que c'est ça, sinon j'attends une commande de camisole de sport qui était supposée arriver aujourd'hui et j'ai toujours pas de nouvelles. Fait que c'est ça, puis un foulard pour mon chien que j'ai fait faire par Gabriel Jean. Fait que je vais soit faire une partie 2, soit je vais... l'intégrer à cette vidéo. Fait que voilà! On se revoit peut-être plus tard ou sinon dans une prochaine vidéo! J'allais oublier, vous avez dit que je vais vous montrer mon fer. Fait que c'est un fer à friser que tu viens mettre tes cheveux puis tu peux le faire. Mais ce qui est cool, c'est que là, vous le verrez pas vu que c'est pas mal branché. Mais vous avez un ventilateur d'intégrer. Fait que ça vient comme faire en sorte que ta mèche, elle devient froide tout de suite. Fait que tu peux comme déjà la travailler comme tu veux après. C'est ma coiffeuse qui m'avait frisé les cheveux comme ça. Puis j'ai adoré le résultat, fait que je m'en suis procuré un. Fait que voilà, c'est de la marque Infusion. Fait que voilà, c'est tout pour le moment. Allô, on se retrouve un peu plus tard pour vous montrer ma commande de linge de bébé. Donc... d'où l'accoutrement un peu fin de journée, là, c'est ça. Fait que là, ça se peut que vous entendez du bruit, ma fille est juste en arrière. Et je vais vous montrer ma petite commande chez Carter's. Donc, je vais commencer par une petite paire de petites lunettes de soleil pour bébé. Avec les pattes mollassons. Fait que ça, c'est parfait pour un bébé. Elles sont encore un peu grandes pour elle parce que c'est un format miniature. Fait que voilà, ma fille, pour vous donner un exemple, le newborn, que le monde disait, achetez-en pas trop, ça fait pas longtemps, parce qu'il a fait quasiment jusqu'à 3 mois. Le 0-3 mois lui fait encore dans certains habits. Puis là, elle commence à 3-6 mois, puis elle va avoir 6 mois. Fait que voilà, ce que j'ai acheté là, c'est des 6 mois un peu, pour les avoir un peu lousses. Là, mon chien, il va venir. Pour les avoir un peu lousses, surtout sachant que c'est des pyjamas. Fait que... c'est ça. Je vais juste vous déplacer un petit peu... voilà. Fait que je vais commencer par la noix sur le dos. Je vais vous le montrer après. C'est un petit pyjama. Donc, je vais commencer par mes deux items que là, il était... pour pas les mêler, ça vaut au lavage, je les ai portés. Un petit pyjama comme ceci, comme je vous dis, c'est tout du 6 mois. Et moi, je vis que pour des pyjamas à zip. Parce que la nuit, c'est parfait, tandis que les petits clips, là, c'est tannant. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un deux zip. Vous avez un zip comme ça, puis un zip que vous pouvez dézipper par en bas pour la nuit. Fait que ça, c'est parfait. Je l'aimais vraiment beaucoup avec le petit éléphant et tout. Et là, les prix, c'est sûr que je me souviens plus. J'ai plus la facture, rien. Mais c'était tout, je pense, 25% de rabais. En tout cas, le site va être en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je sais pas si les items vont être encore là. Mais c'est ça. Ensuite, un autre item qui va aller dans le lavage, c'est un petit chandail. Ça, c'est un ensemble de 5. Je vais vous montrer les autres après. Mais c'est un ensemble de 5, 6 mois aussi. Mais c'est grand un peu pour elle, là. Tu sais, elle a le col qui descend en bas, là. Fait que c'est ça, ce que j'aimais, c'est les petites manches en froufrou. Fait que c'est ça, il est cute. Ensuite, pour le reste des chandails, comme je viens de vous montrer, on a... oh, je sais pas. Je sais pas si vous, je pense que vous allez le voir à l'envers. Cutest Baby Ever, qui est écrit, encore là, simple, avec des petites manches froufrou. Le Sweet Art, trop cute. J'ai pas encore mis celui-là, en espérant qu'il va rester blanc.
vraiment trop mignon. Ensuite, j'ai un écrit plein de mots, cutie, happy, sweet, etc. Encore là, avec les petites manches bouffantes. Il avait joué avec son linge, la petite maudite. Et lui, un de mes préférés, je pense, avec des petits lapinous blancs. Et voilà. Donc, c'est vraiment des bons petits chandails pas chers. Là, un kit de 5 comme ça, je pense que ça m'a coûté 20$. Fait que c'est quand même très bien. Ensuite, je sais que ça fait plus petit garçon, mais je voulais vraiment des manches longues. Puis, il y avait un kit de 3 ici. Puis, j'aime vraiment le principe que ça se déboutonne tout sur le côté. Fait que t'as pas besoin de rentrer à la tête parce que moi, ma fille, c'est toute qu'une histoire l'habiller. Mais vraiment, là. Genre, je me bats toujours avec. Fait que c'est vraiment un cache-couche, comme je vous dis, qui est boutonné tout sur le côté. Fait que pas besoin de passer la tête, là. On fait juste 6 mètres. Voilà, dans 6 mois. Tu sais, lui, il fait unisexe, en fait, là. Ensuite, ici, on a le même principe, 6 mois, avec des petits oursons et tout, qui se déboutonne. Fait que ça, c'est parfait. Pour un bébé qui bouge. Et lui, je pense que c'est mon préféré. Avec des baleines, nounours, kangourous. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de chandail que j'ai testé la première fois. Je pense que c'était un petit cache-couche écrit milk avec une panne de lait dessus. Puis j'ai adoré le fonctionnement. Je pense que je la lavais tout le temps pour l'avoir lui parce que quand je suis seule. Fait que là, je crois que ça a coupé parce que c'est ça. Manquait de batterie. Oups! Ben oui, fait tout tomber. En tout cas, j'étais en train de vous montrer les petits pyjamas à zip encore une fois. Comme je vous dis, mon amour pour les pyjamas à zip. Encore une fois, le zip qui dézippe par en bas également. Fait que là, vous voyez avec les petits animaux de la jungle. Vraiment qualitatif. Le tissu est super doux. Pour vrai, j'étais fort impressionnée. C'est la première fois que j'essayais chez Carter's parce que, tu sais, les linges de bébé, ça a l'air, c'est pas essentiel. Fait que. Puis là, moi, je changeais de grandeur juste là, tu sais. Parce que le 3-6 mois dans certains modèles peut faire, mais j'avais juste des à boutons. Fait que c'était tannant. Ça prenait vraiment beaucoup de temps la nuit, là, changer dans le semi-noir avec des boutons. Puis mon goût à moi, j'aimais mieux les zips. Puis dans les cache-couches, j'avais quasiment rien dans les 3-6 mois. C'était juste du 0-3 mois qu'ils faisaient encore. Fait que là, j'en ai profité pour acheter du 6 mois à la place du 0-3 mois. Ça va faire plus longtemps parce que ma fille porte les grandeurs vraiment longtemps. Fait qu'encore une fois, un peu le même principe avec des petits animaux, mais plus ça, c'est catégorie garçon. Mais moi, je m'en fous, pour vrai. Ma fille, je pense que le premier linge que j'ai acheté, c'était du petit gars. Mais ça faisait super cute. Ensuite, l'avant-dernier petit pyjama. Oh, le petit bras. Je pense vraiment recommander à l'avenir là-dessus. Pour vrai, vraiment bon. Sinon, il y a Mudshock aussi, mais Mudshock en ligne, ça prenait plus de temps. Fait que je l'ai pas fait. Moi, j'aime mieux aller en magasin chez Mudshock. Fait que voilà, à zip encore avec un petit lapin. Vraiment trop mignon et des petites fleurs. Pour vrai, je suis surprise. Pour vrai, c'est vraiment bon. Là, vous la voyez. Est-ce que tu veux-tu montrer ton beau petit pyjama? Voilà! Là, elle a tout pris le linge dans ses mains. Hein? C'est pas grave, maman va le replier. Fait que ça, c'en en est un. Tout mignon, carotté mauve, avec un petit lapin. Mais la différence, c'est que lui, il n'y a pas de petites pattes. C'est genre, faut que j'y mette des petits bas, mais j'y mets plus dans le jour que la nuit. Parce que la nuit, c'est tannant, il changeait une couche, vu que faut que je sorte son pied, puis que je le rentre. Fait que voilà, je sais pas si vous allez voir. Ma petite grenouille, elle vient de se réveiller. Fait que voilà, ça c'est le... Je pense que c'est un de mes préférés, il est vraiment trop mignon. Puis, la qualité, comme je vous dis... Ayez pas peur, foncez. C'est vraiment bon. C'est sûr que ça peut être long recevoir la commande. Moi, ça n'a pas été si long que ça, je vais vous avouer. Mais tout dépend d'une personne à l'autre. Hein. C'est pas pareil. Fait que c'est ça. Moi, je veux sûrement recommander des petits kits. Là, j'avais vu plein de beaux petits kits pour l'été et tout. Mais j'osais rien racheter pour l'été parce que je sais pas quelle grandeur avoir. Fait que je vais attendre un peu plus proche de l'été pour savoir s'il est encore dans le 6 mois ou dans le 6-9 ou dans le 9-12. En tout cas, comme je vous dis, un bébé à l'autre, c'est différent. Fait que voilà, j'espère que vous allez apprécier le petit haul carteuse. Puis on va se revoir un peu plus tard pour la suite de mon unboxing. Allô à tous! Donc vous commencez à connaître un peu...
quand je suis ici, c'est quoi ça veut dire. Donc, je vais vous faire un unboxing des colis que j'ai reçus. Je vais commencer par Amazon. Et je vais vous introduire un clip plus tôt dans la vidéo, là, à la fin ou ici en tout cas, du tapis de jeu que j'ai commandé à ma fille. C'est juste que là, il est dans sa chambre. Pas dans sa chambre, il est dans le salon. Puis c'est ça, ça me tentait pas de l'amener, c'est quand même gros. Mais je vais vous montrer ça. Et je vais essayer de mettre le lien des articles, comme toujours, vous connaissez la chanson. Fait que voilà, sur Amazon. Et là, sur ma commande Amazon, j'avais également acheté un rasoir pour tissu à pile. Fait que ça, ça enlève comme vraiment les petites mottes de poils, de tissu qui se forment sur les meubles. Je l'ai acheté pour mon divan, pour le linge. J'ai certains chandails, des fois que ça fait ça. Des rideaux, etc. Fait que j'ai vu qu'il y avait des belles reviews, puis j'ai bien hâte de tester ça. Je vais vous montrer un peu ce que ça ressemble à quoi. Fait que c'est ça. Et puis c'est ici qu'on vient allumer. Fait que ça vient comme raser. Puis vous avez comme le petit compartiment ici. J'ai bien hâte de tester ça en ayant des animaux. un chat avec encore ses griffes. Fait que ça en fait des petites peluches. Fait que voilà. Ensuite, pour ma fille, pour son bain, parce qu'elle, elle aime tout ce qui brille, allume, etc. Ça, c'est une petite baleine qui va flotter, puis qui va cracher de l'eau, puis en même temps, elle est supposée allumer comme ceci. Mais là, on voit pas qu'elle allume, en tout cas. Soft light flashing. Fait que voilà, je vais vous mettre le lien également. J'ai bien hâte de le tester. On va l'essayer asseoir dans son bain. Mon chien. Je vais vous montrer si j'ai reçu le coup de fleur de mon chien. S'il veut bien que j'y enlève parce que c'est pas ça. Tu me laisses-tu juste le montrer aux amis? Regardez, il aime pas ça. Il est genre, c'est à moi. Fait que c'est un petit foulard. Comme ceci, avec des signes astrologiques. La qualité est vraiment bonne, c'est fait à la main. L'auban, c'est Harry Potter, irréversible, c'est avec des petites clips. Puis c'est la compagnie Pour toi, pour Pitou, Minou and You. C'est Gabriel Jean, comme je vous avais dit. Pour vrai, j'adore, je pense que je vais en refaire d'autres. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube et de son Instagram en barre d'infos. Fait que comme ça, vous allez pouvoir voir tous les produits qu'elle fait. Elle fait des scrunchies, elle fait des bandeaux, elle fait des foulards pour animaux. Puis là, elle se lance même dans des médailles en résine, des porte-clés. Je vous dis, il est content que j'ai remis. Il est tout content. Fait que ça vaut vraiment la peine, c'est qualitatif. Puis c'est quand même pas cher. Puis pour vrai, vraiment bonne. Fait que si vous voulez aller l'encourager pour gâter votre petit pitou, ben. Hein? Fait que là, ensuite, j'ai reçu un colis qui est même pas encore ouvert, celui-là. Aussi, si jamais vous voulez un tuto de ce look, il va arriver après cette vidéo aussi. C'est mes produits BoxyCharm que j'ai utilisés pour faire ceci. Fait que c'est ma review. Fait que stay tuned pour la vidéo. Fait que ça, c'est bien simple. C'est des camisoles d'entraînement de la marque, pour pas dire de Kyoda. Et il était la mauve que je vais vous montrer à 20$, sinon les autres étaient 15$. J'ai tout pris dans le large parce que je voulais pas être serrée, je voulais que ça soit lousse. Fait que c'est des petites camisoles crop top comme ceci pour m'entraîner puis mettre tous les jours aussi, le dry fit. Ah, j'ai bien hâte de voir. Vous allez sûrement me voir souvent avec parce que je vais pas juste les mettre pour m'entraîner. Je vais les mettre avec un petit jeans, avec une paire de leggings. Ils sont vraiment douces. Vraiment content. Le blanc, j'ai peur un peu de sa transparence. Puis moi, le blanc, hein, je suis tellement bonne pour salir ça. Je vais appeler Miss Gaffeuse, mais c'est pas grave, je voulais un petit blanc pour un petit jinx ou des leggings noirs. Là, il y a le papier. Fait que c'est sûr que ça a l'air moins pire que je pensais pour la transparence. J'ai vraiment hâte de les porter. Ouh. Wow, c'est tout. C'est d'une qualité, ça. J'ai vu ça passer sur le Instagram d'Alanis d'Occupation 2. Grèce. Pas de Grèce. D'Ali, excusez. Sur son groupe de la troupe. Fait que j'ai demandé en message, puis elle m'a dit que c'était de là. Fait que là, j'ai passé commande.
Ça, c'est la petite mauve. Je pense que c'est elle que je vais mettre, genre, après cette vidéo-ci. Oh mon Dieu, c'est donc bien malade. Je suis donc bien contente. Je pense que je vais tellement passer ma vie là-dedans. Puis si j'aime ça, je risque d'en racheter. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Fait que si jamais vous cherchez des petites camisoles parfaites, ça. Puis c'est pas tant long, je les ai commandées mercredi passé. J'ai déjà reçu. On est vendredi. Je les ai reçus quand même assez vite. Mais c'est parce qu'il y en a qui avaient des retards parce que j'étais supposée les recevoir lundi. Fait que c'est quand même une très bonne maison. C'est au Canada. Fait que c'est pour ça que c'est rapide. Fait que voilà. Ça, c'est pour ma commande. Il va me rester pour cette petite vidéo aussi que je suis supposée recevoir un colis mercredi de Pop Underwear et ma commande Beauty Bay. Donc, on se revoit un petit peu plus tard. Allô tout le monde, on se retrouve un peu plus tard pour vous, mais moi c'est quelques jours plus tard. Et j'ai reçu un petit colis, fait que je me suis dit je vais l'ouvrir tout de suite parce que j'ai hâte. J'ai juste fait un trou, je l'ai même pas encore totalement ouvert. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. On se retrouve dans mon salon, c'est un tout autre décor. Ma fille est pas loin, fait que ça se peut que vous l'entendiez. J'ai même peur qu'elle pogne la... Si le setup bouge un peu, c'est qu'elle donne des coups sur ma caméra. Fait que voilà, je vais commencer à ouvrir ça. En fait, c'est mes chandails Glow in the Dark de Pop Underwear. Fait que voilà. Je vais faire ça. Ça se présente comme ceci, dans un petit papier avec leur logo. J'ai quand même bien hâte, j'ai commandé ça à la collection d'Halloween! Je vous disais que ma fille, elle allait jouer. Attendez un petit peu. C'est ça. Fait que c'est qu'elle est par terre, puis elle a réussi à attraper une patte de mon trépied. Fait qu'on va espérer que ça se reproduise pas. Je l'ai tassé un peu, mais elle commence à déplacer de l'air, pas pire. Et là, je la vois déjà essayer de leur prendre, ouais. Fait que c'est ça. Je vous disais, c'est leur petit logo, c'est la collection de Noël. Halloween. Fait que ça, c'est les chandails. Moi, j'avais déjà reçu mes sous-vêtements. Et puis là, j'ai... Ouais. C'est pour la collection de Noël, ouais. Ah, l'ensemble de février, en fait. Ah, oh, c'est cool, voir mon rabais. Et voilà, j'en ai pris deux. Fait que là, j'ai hâte de voir ça. Là, c'est sûr qu'on pourra pas les voir en action. Oh mon Dieu, le texte, c'est vraiment intéressant. Puis, j'ai pris médium, mais finalement, j'aurais pu prendre small. Ça va être oversize, hein, s'il vous plaît. Je pense que je pourrais quasiment la porter comme une robe. Fait que ça, c'est le Galaxy. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Mais ouais, je pourrais clairement porter ça comme robe. Je vais quand même essayer de trouver un moyen d'agencer ça. Puis sinon, j'ai pris avec des petites étoiles. Ça, j'ai la bralette comme ça. Avec des petites étoiles. Fait que c'est pas mal ça. Et le tissu, pour vrai, est vraiment doux. C'est vraiment agréable. C'est vraiment pop. Voilà, je les aime beaucoup. C'est sûr que c'est long recevoir leur collection, mais ça vaut vraiment la peine. Fait que voilà, on se revoit un peu plus tard pour ma dernière commande qui me reste à recevoir avant de terminer cette vidéo-là. Bye! Allô tout le monde, c'est la moindre du montage. Dans le fond, c'est pour vous informer que la vidéo finalement va s'arrêter là, puisque j'ai toujours pas reçu ma commande Beauty Bay, puis si je veux sortir ma vidéo pour mercredi, ben, faut que je termine le montage, fait que je vais arrêter d'attendre, puis si jamais vous voulez voir... ce que contenait ma commande Beauty Bay, je vous invite à vous abonner à mon Instagram puisque je vais la rouvrir au pire en story et la mettre en highlight. Fait que si ça vous tente, je vous mets le lien de mon Instagram comme toujours en barre d'infos. Allez vous abonner, puis dès que je la reçois, vous allez pouvoir voir le contenu. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Gros bisous!